Donc sur nos camel bag, on a un petit ruban rose pour se retrouver sur le parcours. Donc, on doit être à peu près 1200 inscrits. Sur le 46, il y a Stéphane, mais je ne l'ai pas vu. Sylvain est loin derrière. On est dans la partie la plus technique parce que on va virer à droite, il y a les amarres des vignes, des ornières et l'herbe a oublié d'être fauchée. Je vois que devant moi, la petite blonde a fait comme moi. Elle a pris sa bouteille pour être sûre de boire un maximum et ne pas tomber en rade comme il y a 3 semaines. Moi aussi. C'est le moyen le plus sûr. Non, d'être sûr de boire. Bon, je pense que la petite Lolo reviendra sur moi tout à l'heure, parce que l'autre jour, sur le duo, elle m'avait quand même mis un quart d'heure en 10 km. À la première édition, il nous avait collé un 20, un 40 et un 60. Donc, j'étais parti théoriquement pour faire le 60, qui s'est transformé qu'en 40, car les fautes Verzi m'avaient été fatales. 40 que j'avais fait avec mon poteau Lio. Le choix, bâton ou pas bâton, je les ai laissés dans la voiture. On verra bien. Ça aide beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Ah, voilà, le peloton s'est étiré. Donc, on attend encore 5-10 minutes pour commencer à courir. Le phare, là-haut.